Alors, bonjour à tous. Tout le monde est au petit soin ce matin autour de notre petite plume. Tout le monde sait faire. Je crois que là c'est bon. Voilà, donc direction Thionville aujourd'hui. Et le temps a l'air un peu couvert, mais je ne pense pas qu'il y aura de l'eau. Donc, à tout à l'heure. Alors, le départ est imminent. Nous disons au revoir à Simone et Eric, qui nous ont accueillis. Mais alors, d'une façon incroyable. Un grand merci, Simone et Eric. J'espère qu'on va se revoir bientôt. Ah, ça va, alors on va bientôt se revoir vers la côte du Nord, les côtes du Nord. Tu dois les accompagner aussi. Ouais. Ça va être sympa. Si je l'ai dit, on va voir comme Forrest Gump. L'eau, c'est bon, c'est tout pris l'eau, c'est impeccable. Oui, moi c'est là. Ouais. On va faire la visite. Allez. Allez. À bientôt. Hein. Nous sommes sur le départ maintenant. Oui, merci. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Ouais, vous êtes des anges gardiens du chemin. Allez, au revoir. Vous, hein. On se voit bientôt. Hein. Bon chemin, on pense bien à vous en tout cas. Oui, nous aussi. Ça marche. Allez. Vous êtes sûr de ne pas vouloir venir encore? Allez, fort, courage. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir. Allez, let's go. Let's go. Bisous, bisous. Oui. Eh bien, c'est toujours très triste de quitter les amis, en fait. Mais notre chemin continue toujours. Je suis en train de lui demander s'il va bien. Et que... Oh, il fait une drôle de tête quand même. Oui, il a l'air. Il a l'air un peu triste. Il est triste parce que peut-être que. Il est seul. Il est seul? Oui. Oh. Il faut une petite nounou, je pense. On dirait une tête, regarde. Oui, dans ces cas-là. Dans ces cas-là, il faut lui faire un câlin. On va lui faire un câlin. On y va? On va faire un câlin à l'arbre. Voilà. Attends, j'ai mes bâtons qui me gênent. On va être à deux à faire un câlin à l'arbre. Parce qu'il a besoin. Mais je peux pas, que je réduise. Il a. Voilà. Il a besoin de qu'on le cajoline. Alors, regardez comme il sourit. Il est content. Les chaussures sont un peu vieilles alors.
et ça passe. All of these lines across my face tell you the story who I am. So many stories where I... Alors nous passons dans un endroit très difficile. Le train est arrêté juste à l'endroit du chemin. Donc nous sommes obligés de contourner le wagon et pour passer derrière, mais on passe en plein sur, on passe sur les rails. Mais Gina a trouvé la solution. Elle a porté carrément le sac, voilà. Et voilà. Mission accomplie. No one to tell them to, it's true. I was made for you. I climbed across the mountain tops, swam all across the ocean blue, across the Nous allons donc entrer dans le centre de la Terre. Donc voici l'entrée. Si vous n'avez plus de nouvelles de nous au bout de 24 heures, vous pouvez lancer la recherche. Ah oui. Nous entrons dans le centre de la Terre. C'est pour ça ici il n'y a pas de fées, il n'y a rien. Mais nous voyons le bout. Le tunnel fait au moins 1 km de long. Je disais que le tunnel fait au moins 1 km de long. Ah oui. Il y a ici il y a des restes d'une civilisation perdue. Ça doit être des bougies anciennes. Des gens ont dû vivre ici. Voilà d'où nous venons. Je peux vous dire que ça fait peur. Il y règne un silence glacial avec un léger courant d'air. Et nous voyons le bout du tunnel.
On ne lâche rien, on y croit. Oui, c'est un silence glacial. Oui, j'en avais la chair aux poules. La chair de poule. Ah oui, ça fait peur. Oui. Moi qui cherchais l'aventure aujourd'hui, je me suis dit, il n'y a rien sur cette étape. Là, ici, ici. Là, il y a quoi? Je ne sais pas. Où? Là, il y a quelque chose qui a bougé. Hein? Allez, on avance. Il ne faut pas rester là. Il ne faut pas rester là. Regarde, il y a la sortie là. Ici. Ça va, toi? Ça va aller. Je suis là, je peux me faire écran de mon corps, si tu veux. Hein? Il n'y a pas de problème. Voilà, on arrive à la sortie, les amis. Ah, nous sommes soulagés. Non, ça y est. Oh oui. Oh, je sais pas combien je fais, mais... Ah oui. Ça va, Wilson? Ça va? Oui, ça va. Et toi? Et toi, Prune? Tu vas bien? Vous avez bien? Ça va, ils vont bien tous les deux. Ils ont bien passé quand même. Hein. Les petits vont bien. Bon, c'est parti. Allez, nous sortons. Nous n'avons pas encore terminé notre aventure parce que en fait la barrière est complètement fermée de l'autre côté du tunnel. Et est-ce que Gino va réussir à passer? Vous le saurez au prochain épisode. Et donc nous allons assister à la dernière difficulté de la journée. Attends, je vais t'aider. Oui. Oui, ça va aller. Je crois qu'elle va s'en sortir. Nous allons être. Allez, encore un petit peu. Encore un petit. Voilà. Eh ben, écoute, félicitations. Viens dans mes bras. Ah, tu l'as bien mérité. Et voilà, nous sommes sortis. De cet enfer, en fait, un vrai, comment on pourrait dire, c'était une vraie aventure, hein, une vraie aventure que ouais. Nous avons vécu, et bah, nous n'avons pas eu peur, même pas peur. Tout finit bien, ce sont des belles histoires. Voilà, ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. On va faire des efforts alors, on va en attendre. Eh bien, après une fin d'étape mouvementée, comme vous avez pu le voir, nous allons dormir ici à la salle polyvalente, juste à côté du terrain de foot. Il se trouve qu'aujourd'hui, dans la salle polyvalente, ils sont en train de préparer un mariage pour le week-end, ce qui fait que les gens étant super gentils, ils nous ont laissé nous doucher et puis on peut recharger les portables à volonté. Et nous allons mettre la tente ici, en dessous de l'abri. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas beau ça? Hein? Alors du fait, parce que comme le temps a l'air un peu nuageux, on ne sait pas s'il va y avoir un orage. Maintenant je ne dis plus rien parce que chaque fois qu'il y a un orage, il n'y a pas d'orage. Donc... Et alors tout va bien, vraiment, on est vraiment très content que ça se passe comme ça. Et donc, je vous dis ici, Francis Le Pèlerin, à vous les studios. Au revoir. Nous sommes en présence de Claire, qui a bien voulu nous laisser charger notre portable, nous offrir une bière.
et c'est son mariage ce week-end. Alors, je souhaite à Claire tous mes vœux de bonheur, une longue vie et beaucoup d'enfants. Merci. Et on a déjà deux. Oui, oui, voilà, c'est ça, ouais. Et je vais vous dire que vous êtes une femme exceptionnelle. Merci, c'est gentil. Voilà. Vous aussi, de faire ça, c'est chouette. C'est pas tout le monde qui ferait ça. Oui, mais c'est bon, un beau c'est, projet. C'est parce que c'est, voilà, c'est comme ça. Ouais. See the smile that's on my mouth. It's hiding the words.